pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau format pour cette saison 2024. L'idée n'étant plus de vous résumer simplement les activités au sein d'une ETA pendant une journée, mais plutôt de vous résumer mon quotidien en lien avec le monde du machinisme agricole sur un mois complet. Au travers de ce nouveau format, l'idée voilà, c'est de vous retracer l'ensemble de mes activités que je peux avoir en tant qu'enseignant, vidéaste, mais tout simplement passionné par le monde du machinisme agricole. J'espère que cette première vidéo vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les images donc pour ce premier mois de février. Je vous invite bien sûr à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et je vous souhaite une bonne vidéo. Enjoy! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, du moins ce début de nouvelle vidéo, je suis avec des bacs ici parce que j'ai un ami qui a commencé ses épandages d'engrais. Et du coup en fait je suis venu avec des bacs pour faire un test de répartition transversale de son épandage. Donc l'idée là c'est de mettre les bacs en place, on fait une première mesure, on aura donc un coefficient de variation que je calculerai après à la maison mais je vous mettrai ça sur l'écran. On ira également tester l'engrais et on essaiera d'améliorer ce coefficient de variation, sachant que dans l'optimum pour de l'épandage d'engrais il doit être en dessous de 15%. Voilà. Donc là on verra, on fera une première base, une référence et on verra si on arrive à améliorer cette répartition du moins transversale. Alors, on se retrouve dans la parcelle, je viens d'installer mes bacs, vous les voyez ici au fond. Donc là, vu qu'on est sur du sulky et que pour contrôler le contenu, sulky propose 4 éprouvettes, j'ai donc mis 4 bacs. Maintenant, vu qu'on est sur une quantité à seulement 100 kg hectare, je crois de mémoire, peut-être un petit, ouais 100 kg, un bac, ça serait pas assez représentatif en termes de quantité, donc je les ai doublés. Voilà, si vous voyez, il y a 2 bacs, du coup, tous les 4 mètres. Voilà, donc 4 x 4, 16, 7 x 2, 32 mètres. Au total, il y en a 36, mais c'est pas grave. Ça va faire le job. Donc là, premier passage de référence avec le tracteur pour du coup avoir une première mesure. Ensuite, on ira tester l'engrais et voir si on a déjà un bon coefficient de variation ou pas. Allez, c'est parti. Alors, pour cette première mesure, nous avons un coefficient de variation qui atteint 27%. Celui-ci s'explique assez facilement avec les éprouvettes. On voit bien que les éprouvettes aux extrémités sont moins remplies que celles du milieu. On peut en conclure ici que l'engrais atteint difficilement les 36 mètres de large. Alors, on refait du coup le plein de l'épandeur engrais. Là, on est à l'entreprise. Donc, Adrien va charger l'épandeur. Et moi, entre-temps, je vais refaire des tests donc, de physique de l'engrais pour bien être sûr qu'on a les bons abacs afin de régler au mieux la machine. Voilà. Ceux que ça intéresse, ici on a une parcelle donc d'orge. Pour ce qui est de l'engrais également, c'est un ammonitrate soufré, un compacté. Donc on a des granulés qui sont plutôt homogènes. Vous verrez par les photos que je vais mettre au niveau de la répartition granulométrique. Après, on est sur un granulé qui est plutôt friable, d'où parfois la présence de poussière à l'arrière de l'épandeur. Hein. On n'a pas une très grosse résistance à la dureté. Donc là, l'apport sans unité, voilà, pour un petit démarrage des cultures. Après, l'exploitant fait principalement des apports de solutions azotées, liquides. Voilà, c'est un premier démarrage avec de l'engrais solide et après, c'est la solution azotée qui prend le relais. Donc, pour ce qui est de la parcelle, ici, on a un champ d'orge, je disais, qui a été semé. Alors, pas complètement direct parce que l'exploitant n'est pas équipé d'un semoir direct, mais il a été semé uniquement avec un coup d'héliodore, Lumpkin et la rampe de semis solitaire 25 derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça a bien marché. Globalement, la parcelle est plutôt propre. Et malgré le fait que l'élément semeur Lumpkin n'est pas un élément de semis direct, on a quand même eu un bon réappui, il y a un bon positionnement de la graine, et ce qui fait qu'on a un semis qui est plutôt de bonne qualité. Alors, après modification des réglages sur l'épandeur suite à la caractérisation physique de l'engrais, nouvelles données, et donc on a une amélioration du coefficient de variation de 19% contre 27, soit une amélioration de 30%. Tac.
Alors pour continuer à améliorer ce coefficient de variation, nous avons effectué de nouveaux réglages sur l'épandeur engrais, mais à chaque fois ces nouveaux réglages ont impacté négativement le coefficient de variation comme vous pouvez le voir sur les fioles à l'écran. Donc ici nous sommes revenus sur les réglages de base, ceux qui ont donné le meilleur coefficient de variation. On refait un test, donc là je récolte les quantités d'engrais qui sont atterries dans les bacs et on va donc pouvoir faire un nouveau coefficient de variation pour voir si on obtient bien une valeur inférieure à 20% comme obtenu après la caractérisation de l'engrais. Donc là voilà un second épandage à 250 kg d'engrais. Donc là on voit bien vraiment significativement donc l'augmentation dans les petites éprouvettes, voilà, l'augmentation du volume et donc toujours un peu plus d'engrais au milieu qu'aux extrémités parce que voilà on est en limite d'épandabilité de l'engrais, donc ce qui fait qu'on a une variation sur les extrémités. Maintenant on est sur un épandage donc à 100 kg, ce qui fait que voilà les écarts de variation font que ça se verra assez peu lors de la pousse du blé. Donc c'est terminé pour moi avec mes bacs. On a fait donc, je ne sais plus, 4 ou 5 tests à peu près différents avec différents réglages, différentes largeurs, différentes quantités. Et à chaque fois, il ressort que bah, tout simplement l'engrais a du mal à atteindre les 36 mètres. Et donc ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un coefficient de variation inférieur à 15% comme serait l'idéal. Voilà pour cette première partie et puis je vous dis tout de suite à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Hop là. Bien. Hop là. Alors on continue cette vidéo, on est dans un endroit un petit peu particulier. Là on n'est pas dans les champs, on est donc à mon endroit de travail en fait. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je suis enseignant au lycée agricole de Derval et donc aujourd'hui c'est les vacances pour les élèves, ce qui fait que vous ne verrez personne, pas d'élèves sur la vidéo. Par contre, c'est pas parce que les élèves sont en vacances que nous on est en vacances, les enseignants. La preuve, là je travaille sur un projet, alors avec les élèves en partie, un projet de simulateur. Et du coup là voilà, vu que j'ai de la carrosserie à faire, c'est des choses plutôt minutieuses. J'en profite vu que c'est les vacances pour revenir faire ça, de façon à ce que j'ai le temps et la disponibilité au niveau des ateliers pour pouvoir faire ça tranquillement, parce que c'est plutôt minutieux, donc voilà, je préfère faire ça tout seul. Voilà pour le Renault. Projet, c'est un D22 qu'on a acheté, et l'objectif ici, c'est d'en faire un simulateur. Donc là, on a le volant donc, qui est intégré. J'ai bricolé une pièce qui va pouvoir, pareil, supporter nos pédales pour le jeu. Et ensuite, il nous restera le levier de vitesse, pareil, qui est à mettre en place, qui est quasiment fini. Et on aura à l'avant, du coup, un écran. Et donc, ça servira donc de support pour Farming Simulator. Donc, c'est le projet un petit peu du moment ici à l'école. Voilà, ce simulateur. Pour continuer cette vidéo, je ne vais pas vous parler que de ça. Je dois aller chercher une machine chez un constructeur à côté de l'école là, pour faire des essais de traction à la rentrée. La machine était dispo, du coup j'en profite vu que c'est les vacances, que les tracteurs sont libres et que j'ai un peu de temps pour aller chercher la machine. Donc je vous emmène avec moi, on va aller chercher ça ensemble. Donc voilà, on est dans l'hangar à tracteurs. Donc on a le Massé ici et le Renault, mais c'est pas ces tracteurs-là que je vais prendre. Ça, ce sont les tracteurs de l'école et on a également voilà, des tracteurs de location. Donc tous les ans, on loue à peu près 5 tracteurs mis à disposition donc par les concessionnaires du coin. Ah, vous avez vu, c'est les vacances, mais la sonnerie est toujours là. Et donc pour cet après-midi, pour aller chercher cette machine, on va prendre le 718, là-bas, le Fen, pour aller chercher cette machine. Donc le tracteur est prêt, j'ai mis une petite masse parce qu'on va ramener un outil porté, 4 mètres de large repliable, parce qu'elle va faire pas mal de poids à l'arrière, donc avec une petite masse, on sera un peu mieux équilibré. Maintenant que c'est prêt, un petit coup sur les mains pour que ce soit propre, et on y va, en route. Remember life comes a better one. I made a man so happy when one.
va deviner, on arrive. On est donc chez Cune à Châteaubriant. Et on va récupérer du coup un outil de travail du sol. Bon, et eh bien voilà, la machine est accrochée au tracteur. J'ai bien fait de prendre la masse. Wow. Quand j'ai levé le relevage, impressionnant comment le tracteur s'est écrasé. Donc, on est sur une machine qui doit faire au maximum 3,5 tonnes, ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, on a le rouleau à l'arrière qui est un rouleau plein, qui est également assez éloigné, ce qui fait que ça fait un gros bord de charge. Donc, ouais, rien que là sur la route, je sens, enfin, on est encore chez Cune là, mais effectivement, le tracteur est vachement délesté de l'avant. Donc, j'ai bien fait de prendre une masse. On verra du coup après à l'école avec des pesons un petit peu le report de charge que ça apporte. Quels sont le poids donc, sur l'essieu avant et sur arrière, mais on verra ça plus tard. Et je pense que je vous mettrai tout ça en vidéo. Donc maintenant, retour à l'école, on décroche la machine et puis ça sera bon pour moi aujourd'hui. Ça y est, me voilà de retour. J'ai décroché donc le déchaumeur ici dans le hall. Donc c'est l'endroit où on va rentrer les machines qu'on fait venir de l'extérieur, plutôt les machines imposantes. Comme vous pouvez le voir ici, on a une ensileuse. L'ensileuse, elle appartient à l'entreprise Jagnès, l'entreprise qui est à côté de l'école. Tous les ans, ils nous mettent une machine, donc on les remercie pour ça. Donc cette machine est là, elle va rester encore une semaine après la rentrée et ensuite elle repartira pour la récolte d'herbe. Voilà donc pour ce qui est du hall. On est également aussi bien loti par Cune. On a donc une herscune, on a également une charrue qui nous a été donné par l'entreprise. C'est une charrue de démonstration. En fait, le châssis est coupé pour voir le fonctionnement de la charrue en interne. Donc c'est pareil, c'est une maquette qu'on a eue de leur part. Donc c'est plutôt sympa. Voilà pour le hall. Bon, et bien voilà, fin de journée pour moi. Toutes les missions que j'avais à faire sont accomplies, le déchaumeur est arrivé, j'ai fait du ponçage sur la carrosserie du simulateur comme prévu. Donc c'est bon pour moi pour aujourd'hui, je vais pouvoir rentrer. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Au champ, j'espère cette fois-ci. Alors, on continue cette vidéo aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de l'ETA Pahusson qui fait de l'épandage sur céréales. Donc là, on est sur de l'épandage de Digesta, d'une méta voisine, d'une méta industrielle. Équipement utilisé ici, c'est un Duaferty. Le Duaferty, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement donc d'épandage 100 tonnes avec un enrouleur et une rampe à l'avant, le tout sur un tracteur. D'accord? Donc voilà ce qu'on va venir voir aujourd'hui. L'équipe vient de terminer son transfert. Le caisson est plein, donc normalement ça devrait partir. On y va. Bye.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la vidéo du mois de mars.